Voilà, il est 12h59. Là, je viens de m'arrêter. Je suis à 6 km de l'arrivée. Donc, à mon avis, encore 1h20. Là, j'ai bien récupéré, j'étais bien. Et là, toute la partie là était un peu boisée à l'ombre. Je suis bien, là, j'ai pas tardé à arriver à Mélide. Et là, du coup, j'avais des réserves d'eau. Voilà, c'est vraiment un endroit qui est agréable. J'étais super bien accueilli. Voilà, mon cher, gracias. Mayonnaise, por favor. Donc voilà, mon plat qui vient d'arriver. La jeune fille est super sympathique. En fait, il y a 1,5 km. Il y a 1,5 km de ça, j'ai voulu m'arrêter à un endroit où il y avait à manger. Il y avait deux clients. Et la jeune fille, elle m'a vu arriver. Donc j'étais à 20 mètres des tables où elle était. Et elle me fait signe qu'il fallait que je porte le masque. Pas trop compris que c'était ça. Donc je refais encore 5 mètres. Et elle me refait signe qu'il fallait que je porte le masque. Muchas gracias. En fait, c'est sans commentaire. Je venais de faire 18 km et demi. Il m'en restait 7 et demi. Et puis finalement, j'avais récupéré, j'étais bien. Et depuis là, j'ai déjà fait 820 km aujourd'hui sur tout le périple. C'est la deuxième fois qu'on me demande de masque. Une fois, c'était pour la carte SIM à Léon. La deuxième, c'était dans une pharmacie où la dame m'a donné des cachets et ça m'a fait une occlusion intestinale. Et la troisième, là, j'ai fait demi-tour. J'ai fait demi-tour sans commentaire. Je trouve que c'est pas sain tout ça aujourd'hui. On est dans des pays soi-disant libres. Ce qu'ils ont fait là, ça a laissé des traces, ça dresse les gens les uns contre les autres. Aujourd'hui, je pense que le tourisme, là, tout est fermé. Il y a plein de trucs qui sont fermés partout. Et là, on oblige des gens à faire des choix. Soit obliger les clients à porter un masque. On voit quoi, on n'est plus libre. Alors moi, j'ai fait le choix sans commentaire. J'ai fait demi-tour et je suis parti. De toute façon, peu importe ce qu'ils disent, parce que je comprends pas ce qu'ils disent. Mais j'ai encore ma liberté et aujourd'hui, systématiquement, quand j'allais dans un petit commerce d'alimentation, j'ai mis le masque et je ne touchais pas les aliments. Je demandais à me servir. En fait, tous les petits commerces sont prêtés de grâce. Ils n'ont pas fait d'histoire. Enfin, je trouvais normal de mettre le masque parce qu'en fait, il y a quand même pas mal d'aliments, il y a pas mal de fruits, il y a pas mal de choses comme ça. Mais là, je crois qu'il faut. Il faut oublier la rigidité, quoi. Il faut être cool dans sa vie. Là, je n'avais pas envie. Et avec ce que j'avais vécu hier, franchement, aujourd'hui, il aurait fallu que je refasse encore 8 km de plus. Sans m'arrêter, j'avais encore des réserves, j'avais récupéré. J'avais des points d'eau un peu partout. Et puis Mélide, je sais pertinemment qu'il y avait des commerces ouverts, donc qui auraient accepté. Voilà, donc il y en a trop aujourd'hui qui acceptent les gens qui ne sont pas avec des masques. Voilà. Mais bon, la jeune fille, elle a voulu bien faire, mais je crois que le client, elle en a besoin. Quoi. Le fait que je me suis arrêté là, il y a 3 personnes qui sont arrivées. Vous voyez, vous savez bien comment ça marche. Hein. Il suffit que quelqu'un s'arrête à un endroit, ça attire d'autres personnes. Voilà, si les clients, on les repousse, on les repousse. Hein. Ils sont partis, ils sont partis. Hein. Voilà, j'avais pas envie. Je sais que le dernier jour à Saint-Jacques-de-Compostelle, je vais certainement être obligé de le porter, être obligé de le porter dans l'avion. Mais aujourd'hui, moi, j'ai 60 ans, je suis libre. J'ai pas envie de me laisser embêter. Pour moi, c'est une pseudo-pandémie. J'ai beau tourner les choses dans tous les sens, j'y crois pas. Et puis, on a beau me dire ce qu'on veut, de toute façon, j'y crois pas. Je respecte les gens. Voilà, elle ne m'a pas accepté sans masque, je respecte, je pars. Pour moi, c'est pas un souci. Hein. Je trouve ça normal dans certains commerces où on est en contact avec l'alimentation. Mais il y a des endroits où moi, je trouve que c'est ridicule. On fait porter beaucoup de responsabilités à beaucoup de gens qui ont besoin aujourd'hui de s'en sortir au niveau économique et c'est pas simple.
Voilà, petit aparté aujourd'hui. Du coup, au lieu de 7,5, bah, il m'en reste 6. Je suis encore plus près. J'ai un peu mal dans les bras, là, juste là, des deux côtés. Ouais. Bon, allez, à plus.